J'ai dû voir mon père depuis 5-6 ans avant sa mort plusieurs fois en cachette, et ce n'était pas facile, ni pour lui, ni pour moi. Sur les ondes de RTL après la mort de Johnny Hallyday, Laura Smet se désolait de n'avoir pas pu passer autant de temps qu'elle l'aurait voulu avec son père. Selon la fille aînée de l'idole des jeunes, si est-il Laetitia Hallyday qui l'aurait empêché de le voir. Des accusations niées en bloc par la veuve de Johnny Hallyday, mais confirmées par l'ex-chauffeur du rocker. À l'occasion de la sortie de son livre « Tout le monde l'appelait Johnny », Patrick Roussel s'est confié dans les colonnes de Téléstar. Et n'a pas été tendre avec la mère de Jade et de Joy. Selon lui, Johnny et Laetitia n'ont pas vécu un conte de fées, loin de là. Il est arrivé à Laetitia de le quitter, mais elle est revenue. Johnny était aussi difficile à vivre qu'à quitter. Et puis elle a fini par trouver sa place, s'est-il souvenu auprès de nos confrères. Patrick Roussel assure que la veuve de Johnny Hallyday a fait le ménage dans ses fréquentations pour les remplacer par des amis à elle ou des amis communs, y compris dans ses relations avec ses aînés. Il ne voyait déjà pas beaucoup David et Laura, mais Laetitia a renforcé la scission, résume l'ancien chauffeur de Johnny Hallyday. David a eu la chance d'être élevé par son beau-père, mais Laura était très fragile. Longtemps proche de la comédienne, Patrick Roussel lui parlait de son père et ça lui permettait d'entrer un peu dans sa vie. Laetitia n'était pas au courant, précise-t-il dans les colonnes de Téléstar. Laetitia Hallyday a tout fait pour exclure Laura et David. Selon l'ancien proche de Johnny Hallyday, Laetitia a tout fait pour exclure Laura Smet et David Hallyday de la vie de son mari. Johnny devait se cacher pour voir sa fille, il l'aidait en douce quand elle avait des problèmes, s'est souvenu Patrick Roussel, tout en reconnaissant qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder une relation avec ses premiers enfants. Selon lui, si Johnny Hallyday a laissé Laetitia faire du ménage dans sa vie mais aussi dans sa famille, si est-il parce qu'il ne voulait pas être embêté. Après s'être mené une guerre judiciaire sans merci, les aînés de Johnny Hallyday ont réglé leur compte avec Laetitia Hallyday devant les tribunaux. Le temps fait son œuvre. Je ne désespère pas d'avoir un signe de lui et de sa sœur, demandait la veuve du taulier. Qu'il reconnecte avec mes filles. Avec leur sœur. Point à propos de l'auteur Lou Ducreux. Politique et royauté sont mes dada, mais les people non, presque, plus de secrets pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigur Rós et Aki Kaurismäki. Ces derniers articles Meghan et Harry dilettantes. Le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Léna Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami. Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant. Take a chance, you